Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 26e et dernier épisode du Let's Play sur Ratchet & Clank Rift Apart. C'est l'heure de la bataille finale. Il est temps d'affronter le duo Nefarious. Allons-y, Quantum nous attend et c'est lui qui va nous permettre d'atteindre cette bataille finale. Alors, eh oui. Il va la chercher, mais cette fois-ci, il sera avec nous pour nous accompagner. Hélas, ce ne sera plus jamais le cas parce que j'ai décidé de renoncer à mon ancienne vie de frivolité et d'extravagance. Ah bah, je pense que la mutinerie lui a suffi, hein. Alors, comment on trouve Allez, c'est parti. L'heure de l'affrontement final a sonné. C'est ta dernière chance d'acquérir des éléments d'armure et des objets à collectionner avant la fin de l'histoire. Veux-tu vraiment aller te battre? En même temps, on a tout récupéré. Donc le 100%, il est prêt, donc bien évidemment que je suis prêt. Et oui, c'est parti. Ok, d'accord, on doit l'attirer jusqu'à nous. Alors je me suis dit que je pourrais me déguiser en robot, mais avec un très très grand... Vous savez ce que c'est, ce bruit? Écoutez attentivement. Est-ce la peur? L'espoir? La mort? Proche et inéluctable? Non! C'est moi! Triomphant! Comme d'habitude, me direz-vous. Oh, en effet. Mais vous, vous ne faites partie que d'une seule dimension. Qu'en est-il des autres? Je suis peut-être vieux jeu, mais j'estime que tout le monde a le droit d'être asservi. Alors, pour célébrer ce formidable événement, j'aimerais rendre hommage à ce cher docteur sans qui je n'aurais jamais eu de telles ambitions. En commençant par envahir personnellement sa dimension à lui. Quoi ? Première étape, Mégalopolis, ou... comme j'ai prévu de l'appeler, New Nefarious. Évidemment. Vous pouvez s'y attendre. Quand est-ce qu'on part? Oh là là, c'est les Avengers là, hein. Rassemblement. C'est avec ça on gagne pas. Je comprends plus rien. Ça va être épique. J'en ai des très très bons souvenirs de cette bataille finale. Ça va être fou. Oh là, regardez ça. L'ultime rassemblement. Et surtout, on est enfin de retour chez nous. Bon, même si c'est pas terrible vu les circonstances. Chez nous ? Et en plus, il a déjà mis en place l'invasion. Il y a tout qui a déjà changé. Il a été très rapide. Limite, c'était encore mieux au début du jeu malgré le chaos des failles. Parce que là, regarde l'état. C'est pas glorieux. Prends part au combat. Oh, t'inquiète pas, en même temps, avec le stuff qu'on a, ça va le faire. Dans la nôtre. Ah bah oui, hein. Détournez son attention, moi, je récupère le dimensionnateur par en haut. Oui, on te rejoint. Bon, normalement, Madame Durcon t'as rien pour nous, vu que j'ai vraiment tout dépensé. Effectivement, c'est bien ça. On n'a plus rien, on n'a plus de raritium. Alors, on a beaucoup de boulons, mais ils sont totalement inutiles dans la situation actuelle. Allez. Ah, et du coup, regardez, c'est magnifique. On a les Goon Forest, j'avais limite en plus oublié ça. Qui se battent pour nous, qui nous accompagnent. Ça, c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Allez, un petit coup de tilt, là. On va tous les exterminer. Voilà. Bon, on va peut-être pas non plus trop l'utiliser parce qu'après on pourra plus l'utiliser parce qu'on aura plus de mine. Mais bon, je vais quand même bien lancer le fight, quoi. Ok, donc là il faut focus les snipers. Peut-être qu'aussi bien ils sont capables de faire spawn des ennemis en illimité si on les bat pas ces deux-là, les deux restants. Il y a encore un autre sniper. T'inquiète, on s'en occupe. Et en plus on monte de niveau, niveau 5, ben voilà. Niveau 5, le pacifiste. Nickel.
Eh, c'est pas trop tard encore pour level up des armes, hein. Jamais trop tard. Attends, on va passer sur le snipe, hein. Pourquoi pas, hop. Voilà, tu dégages, non, même pas. Il est résistant, dis donc. Ah oui, là, il y a du monde, attends. Là, par contre, un petit coup d'explosion, je pense, ça fera le ménage. Hein. Je vais pas non plus tout régler les problèmes avec le Telt 8. Ouais, hein. Mais on va éviter. Ouais, je suis pas sûr que tu vois, soit une arme qui aura une réelle importance lors du vrai boss fight. Mais on verra. Colosse de Nefarius, ouf. Je suis curieux sur lui. Est-ce que ça fait beaucoup de dégâts? Bon, on n'était pas forcément sur lui, là, niveau de tir. Ah, ça fait quand même un moins 10, hein. C'est énorme, hein. Ouais, ok. Et niveau 2, déjà? Eh ben, dis donc. Ouais, donc c'est très efficace, mais en même temps, je manquerai de munitions à un moment donné, donc on peut pas se permettre de spammer ça. J'aimerais, hein, mais c'est vraiment pas possible. Alors, attends, on va passer sur le petit lance-missile. Là, ils vont de toute façon très très bien m'aider, les Good Forless, hein, j'en doute pas. Peut-être laisser derrière moi des munitions, d'ailleurs. Hein. Oh, regarde, il a déjà plus de vie, là. Oh, oh, oh. Allez au minigun! C'est vrai que je l'avais toujours pas utilisé en plus là. Hein. Limite l'arme maîtresse là, en termes de mine et tout, ouais. C'est la plus polyvalente. Hein. Je crois que j'ai rien laissé. Hein. Ouais, j'aurais bien voulu gratter des mines supplémentaires, mais non. Y'a plus rien sur place. Quoi que, attends, je suis pas parti par là. Y'a peut-être des restes. Que nenni! Bon, eh bah, soit. Allons-y du coup. Parce qu'on a beau avoir battu là le mini-boss, il reste même des ennemis. Ouais, il en reste un d'ailleurs. Pas plus que ça. Bien joué ça. Ah, il y a même les pirates, j'avais pas vu aussi. Ah, mais il y a toute la compagnie. Hein. Toi, tu es le héros de cette dimension. C'est à mourir. C'était juste un coup de chance l'autre fois à Nefarius. Au pluriel. Il faut sortir les grands moyens. Quelle coïncidence. Enfin, un prétexte pour tester ma nouvelle combinaison. Oh! Où il est? Parti. Qu'est-ce que tu mijotes, Nefarius? Et c'est parti pour une phase aérienne. Bon, par contre, moi, je me rappelle plus à nouveau des touches, là. Hein. Bon, R2 pour tirer. De toute façon, j'ai l'impression que c'est même pas moi qui contrôle le déplacement. Ouais, non. Hein. Parce que... Ou un chouïa, alors. Ah si, un peu gauche-droite, ouais. Ouf, finesse 2. Et voilà. Le vrai boss. Ça, c'est de l'armure, effectivement. Et on y est. La combi énergétique impériale. On va peut-être laisser un peu dans la lourdeur là en prenant directement le telt. Il va y aller mollo quand même au début. Donc, il faut l'animer, mais bon. T'inquiète. Et vu comment il est blindé de vie, ça va pas être facile, hein. Il y a moyen en plus que ce soit en plusieurs phases, hein. Mais avec plusieurs 100% du coup. Je sais plus comment que c'est découpé, mais ouais. Là, l'animé, je trouve que ça va vite, on est déjà à 85%. Pas mal, hein. 15% de dégâts. Ok. On va devoir utiliser toutes nos armes, hein, et pas seulement les 4 armes principales que j'ai actuellement. Donc il va falloir beaucoup de diversité. Prends-toi ça. Ok. Première phase. Comme si tu avais une chance contre moi. Et pas qu'une seule. Nous avons une bataille à gagner. Vous allez assurer, Quantum. Oh, il y a les deux. Les deux sont là. Et de snobisme éhonté est révolu. Eh bien, j'en ai la chair de poule. Oh. Je l'avais même pas vu Quark arriver en plus à la base. Sautez. Oh, encore toi. Allez, deuxième phase.
Donc on a des munitions, ça peut servir. Bon, après tout dépend des munitions larguées, hein. Mais là du coup, ah, on a récupéré tout avec Ratchet, bon, parfait. Léo Cosmique le retour, hein. Bon, là ça va être son crâne du coup. Je pense c'est les yeux surtout qui sont les points faibles. En même temps, on est déjà à 67, hein. Ça va très très vite, hein. C'est comment on s'y prend pour ça ? Ce n'est pas très orthodoxe. Attention, on va essayer d'esquiver le laser, même si ça semble pas si simple, hein. Là, c'est des missiles, ok, c'est bon. Oh, niveau 5 aussi, bah tiens, voilà. L'enchaînement. Bah comme ça, ça me permet d'avoir des mines à nouveau, hein. Cette situation commence à m'ennuyer, sérieusement. Ah, ça va très très vite, hein. Je pense qu'il y a au moins une deuxième grosse phase, du coup il retournera 100 hein, niveau vie, parce que là, sinon, en 2-2 on va terminer l'affaire, hein. Okay, sniper, tu vois, je l'ai même pas utilisé, et lui je pense qu'il fait beaucoup de dégâts aussi. Attends, j'ai pas trop fait gaffe là. Ah non, pas tant que 100, à vrai dire. Je pensais plus que ça en tout cas. Admirez. Imaginez. Spectacle magnifique. Et restez concentrés. Ouais, pareil, le tel, toi, il fait pas tant que ça. Il l'a fait à moins 2% là, je crois bien. Mais bon, en même temps, ce serait abusé s'il faisait plus que ça, quoi. Même si c'est l'arme ultime, hein, quoi qu'il en soit, mais. Faut bien une limite. Je vais aller chercher les munes là sur le côté. Hop. Bon là on a tout récupéré, il me semble. Allez, 25%. Ouais, non, c'est sûr qu'il y a une deuxième grosse phase, hein. Tout ça n'est rien. Je pense pas qu'on va le terminer là-dessus, mais il restera pas grand-chose. Difficile. 9%. Allez, 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 c'est bon, là. J'ai même pas eu besoin, pour l'instant, de switch sur les autres armes, hein. On est resté avec les mêmes. C'est fou ça, hein. Bah, il y a eu les passages de niveau d'armes qui ont peut-être un peu facilité la tâche aussi. 3%. On va mettre un coup de sniper et un coup de tel, je pense, pour le terminer. Rapide et efficace. Hop. Merde, j'ai plus de mine. Ah oui, mais le tel, c'est bon. Par contre, ça l'a pas touché du coup. Ah, il a réussi à se TP au dernier moment avec la faille. Là par contre ça devrait passer. Et oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ah, il fait moins le malin. Mais c'est pas terminé. Ah non non non. Ouais, ok, là on va avoir une petite phase de plateforme. Au moins il y a des munitions sur le chemin. Oh bordel. J'ai tout récupéré quand même. Par contre, ok, il y a une faille, c'est bon. Je me disais sinon comment j'allais avancer. Là il va détruire, je pense, les plateformes une par une derrière. Donc il faut que j'avance assez rapidement. Pour pas me faire pulvériser. Par ici, je peux vous faire entrer dans le cœur de Nefarius. Enfin, oh. Ah oui, la faille. Merci. Ok. Là, nouvelle phase. Le cœur. En le détruisant, nous neutraliserons le robot tout entier. Ouais, bon là c'est beaucoup plus léger, tu vois, niveau vie. Ah, c'est classe, hein. Et oui, après il y a encore une phase après ça, de toute façon. Donc ouais, tu vois, effectivement c'était découpé en plusieurs parties niveau pourcentage. On est en train de fumer par contre le cœur. Oh, ils ont même pas eu le temps de spawn que je l'ai limite terminé. Hop, je fais quand même le tour histoire de récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Bon. C'est fini là, hein. Ici un petit coup de pelle pour faire le ménage. Et en même temps, oh, ça termine le cœur, abusé. Ah, par contre, il a encore de la vie, ce merde. C'est reparti, voilà justement. Pourquoi ma dimension est si dure à conquérir ? C'est pas à cause de moi ! Ouais, c'est ça, ouais. T'as peut-être raison, mais en même temps, ouais, pas convaincu à 100%. Hein. Oh là, ça va vite. Là, ça va très très vite. Ah non, mais c'est vraiment l'arme ultime, hein. Le minigun, y a pas à dire, c'est l'arme du jeu.
Encore plus, je pense que le tel s'y vit à la limitation de mine. Gary, il faut que je sorte d'ici. Merci Gary, petit coup de paille. Et là, normalement, c'est la dernière phase. Ça va être costaud, je pense. L'armure finito, mais il reste encore l'empereur. Ou le docteur, mais je pense que c'est l'empereur qui va prendre le dessus. Oh ouais. Vous croyez vraiment pouvoir l'autre, c'est un rigolo. Je vais faire appel à toutes mes armées, à tous mes fidèles. Vous vous agenouillerez devant moi. Il va anéantir les dimensions. Eh ben dis donc, ça en fait des ennemis. Oh oh. Il y a du très costaud. Et oui, elle manquait à l'appel. Forcément qu'elle devait être là. Il est grand temps que j'arrête de fuir. Pas question que tu te battes toute seule. Oh, la musique. Je vais m'occuper de son armée. Tu t'occupes de lui. Allez, dernier round. C'est parti. Bon là, je pense par contre ça va être plus délicat que les phases précédentes. Ouais, regarde, déjà là il nous fait un rush. Mais c'est bon, on a l'arme ultime. Même si là, je rate peut-être un peu vite. On va dire que là, la cible est quand même plus restreinte. Ah ouais, t'as vu là, il prend pas les dégâts. Hein. Oh là là. Oh, ça va être long. Oh, ça va être très très long. On est qu'à 94. Oh, mais d'ailleurs, attends. Je sais pas à quel moment c'est arrivé. Mais je suis niveau max. Je suis à 100 PV, c'est bon. Et j'ai plus un bar d'XP, donc je suis niveau max. Ah, j'ai même pas remarqué quand c'est arrivé, tu vois. J'ai vu le level up d'armes, mais pas mon level up perso, du coup. Allez, on tente d'esquiver un max. Et pour autant, on a fait que un dixième du fight. Ça, je pouvais pas le péter. Ou alors j'ai mal visé. Là, par contre, il va falloir utiliser toutes les armes. Hein. Il n'y aura pas le choix. Je vais vite être limité. Allez, hop. Elle a peut-être le minigun, mais c'était pas finalement la meilleure arme hein, à utiliser. Déjà, le Vatan guerre, il est pas mal, hein. Hop, on a des munes. Ah, vas-y. À chaque fois avec son dash là. Là, il va m'avoir. Ouais, 64, tu vois, ça va, on est bien descendu d'un coup. Hein. Le sniper, ça peut être pas mal, mais en même temps. A-t-on le temps pendant ses attaques de. Oui, avec le ralentissement, en vrai, ça passe. Hein. Ok. On l'a eu. Parfait. Il faut pas se faire avoir avec ses cibles. Je me doute quand même qu'il va se passer un truc quand il sera à 50%. Il va peut-être y avoir une petite interruption. Hein. Ça s'est raté avec le telt. Là, ça passe bien. Attends, j'ai même pas vu les dégâts en plus qu'on lui a mis. Oh, raté. Vous êtes fini, les Farius. Ah bah, tout tu vois, voit il se casse. Quel est votre véritable visage? Bon, c'est que le telt a quand même bien fait le taf. Hein. Avec moi, soldat. Et on va essayer de les rassembler pour limite les one-shots. Regarde, hop. Voilà, comme ça là, on l'utilise à merveille. Il est déjà de retour du coup, bah parfait. 49%, ok. Ouh là 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 là. Bon, en fait, niveau vie, pour l'instant, je me porte très très bien. Esquive. Non, ça va, ça paraissait long au début, mais... Finalement, on arrive à bien le réduire. Hein. De toute façon, il n'y aura pas d'autre phase. Donc là, on est sur la finalité de la finalité.
Alors, je filme une dans toutes mes... Ouais, ok, bah il est temps de passer sur les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je pense qu'un coup de foot, ça peut être pas mal. Et en même temps, on va utiliser tout ce qui est champi et compagnie, là, qui vont faire des dégâts adjacents. Pour encore plus d'efficacité. Et d'ailleurs, je pourrais mettre aussi, du coup, les urki, là. Ok, et on va prendre, du coup, le tout coup de tonnerre, ouais, comme ça, je le stun, quoi. Enfin... Ça va vraiment stun, je sais pas, mais bon, on va voir. Hein. Ça fait l'effet escompté. Non, il arrive toujours à m'attaquer. Hein. Effectivement. Est-ce qu'il quitte du coup son charge serait parfait, mais bon. Bah, ça va se passer comme ça. Hein. Il va même plus esquiver en plus. Hein. Ah, si, je crois qu'elle le démolit déjà. Oh, oh. Bon, je crois qu'un nouveau changement d'arme s'impose. Alors, la fourreau, ça peut être pas mal aussi. Hein. Ah oui, oui, ok, ça fait des dégâts de monstre. Oh là là. Ah, je pensais pas que ce serait aussi efficace. Ça fait du 2x2 là, pas mal. Hein. C'est charpillé. Ouais, par contre là, il me touche encore. J'aurais bien aimé récupérer de la vie, mais bon, il semble un peu impossible. Pas avant de finir. Enfin, normalement. Il y a le soldat encore. Il s'est cassé en plus. Je crois. Ouh là 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 là. Attends. On va switcher sur... Je vais remettre du champignon. Ah, il y a de la... Ah non. Alors, j'ai cru que c'était de la vie, mais non, c'est des munes. Pas de la vie, s'il vous plaît, là. Ça urge un peu au niveau situation complicado. On va prendre le pistolet mitraille. Hein. Mid là, je préfère rester du coup bah, un peu derrière pour ne pas me prendre trop de dégâts. On est déjà assez pris comme ça. Wow, joli coup. Allez, 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 allez. Enfin, ces bâtards n'empêchent de les avoir fait spawn maintenant, quoi. Alors qu'on y était. Il n'y a pas de vie. J'aurais dû économiser la vie. Je pensais que ça allait respawn, mais non. Wow, 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 wow. Et j'ai à nouveau pas de mune. Tiens, eux, ils vont nous aider tête. Ok, c'est bon, j'ai récupéré de la vie, je sais pas comment, mais j'en ai récupéré. La ravageuse, c'est vrai que ça fait des dégâts, ça aussi. Et pas qu'un peu. Allez, normalement, eux, c'est les derniers. Courage. On va y arriver. Venez, mes loyaux sujets. Venez tous. Unissez vos forces pour défendre votre empereur bien-aimé. Ouais, il reste plus que ça, je crois. Ah bah là, on a tout détruit, hein, c'est fini. Oh. Il a peut-être une attaque finale. Allez, go. L'heure de votre défaite. Ah oui, il est bien amoché quand même. C'est Bubule! Bubule! Le retour! Lâche-moi, femme céphalopode! Pitié! À nous deux, on peut encore gagner! À votre tour de goûter à la défaite! Ha! Et même le docteur Nefarious s'y met pour nous aider. Bah non, il finit quand même par être un loser, hein. ça vous changera jamais. Vous êtes vraiment des héros, tous les deux. Ça vaut aussi pour vous. Et si on réparait tout ça, hein? Ce sera avec grand plaisir. C'était donc si simple.
pour que tout redevienne à la normale? Eh bien... Et tous les doubles se rencontrent en plus. Kit, je m'en veux pour tout ce que je t'ai dit. Tu es mon ami. Et merci. Tu sais, d'être revenu. Partenaire. Partenaire. Je crois que c'est l'heure de rentrer à la maison, non? Ouais. Notre dimension va avoir besoin d'aide pour se remettre de tout ça. En fait, on se demandait si vous accepteriez de faire un petit détour. Et où est-ce qu'on va? Je crois que tu le sais déjà. Chercher les autres Lombax? Oh. C'est nous. Allez, une autre parade des héros, c'est reparti. Incroyable. Incroyable. Ah là là, quel plaisir n'empêche d'avoir refait ce Ratchet & Clank Rift Apart. Quel jeu, hein. L'un des meilleurs jeux de la PlayStation 5. L'un des jeux qui exploite le mieux d'ailleurs la console, niveau technique. Mais ouais, quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir. Et cette bataille finale, comme dans mes souvenirs, toujours aussi, aussi bonne, efficace, mouvementée. Mais ouais, vraiment, c'était beaucoup trop bien. Et moi, j'ai hâte d'avoir un nouveau Ratchet & Clank, même si bon, en principe, c'est pas prêt d'arriver. Vu que Insomniac Games sont plus focus sur les Spider-Man que sur Ratchet & Clank en l'occurrence. Donc, même avec les leaks, tu sais, qu'on avait eu il y a quelques mois de cela vis-à-vis de tous les futurs projets sur lesquels travaillait Insomniac, c'est vrai que Ratchet & Clank, je crois que bon, un nouveau jeu c'était prévu uniquement pour 2030 et pas avant, même peut-être après 2030. Donc, va falloir sûrement attendre avant d'avoir un nouvel opus, à moins peut-être d'une surprise entre temps, avec je sais pas, un remake, un remaster d'un ancien opus fait du coup par un autre studio, mais pour un opus principal. On va dire de la même envergure que ce Rift Apart. Ouais, je pense que ce sera pas du coup avant 2030 si on suit vraiment les fuites qu'il y a eu. C'est même pas des leaks, hein, là c'est des fuites. Donc faudra être un peu patient effectivement avant d'avoir la suite des aventures de Ratchet et pourquoi pas de Rivette. Parce que je pense que s'il y a suite, il y a moyen qu'on puisse revoir Rivette et le duo fonctionne très bien donc ça me gênerait pas. Donc, on verra ça après. Dans le futur, avec du coup ouais, potentiellement la recherche d'autres Lombax, parce que je sais même pas si on a la réponse par rapport à ça, limite avec une petite scène post-crédit. J'en ai pas le souvenir, parce que d'ailleurs on a vraiment une scène post-crédit. On va voir ça dans quelques minutes, mais en attendant, ouais, en tout cas c'était vraiment un pur kiff, j'espère également de votre côté. Ça vous a fait plaisir? Oh, regardez, il y a même Glitch! Magnifique, elle aurait dû participer d'ailleurs à la bataille finale. Il y aurait un virus ultime limite dans l'armure, je sais pas, mais ça aurait pu être fun, hein. Voilà, finalement, on voit quand même un peu l'après, hein. Avec la fameuse robot, là, qui aidait à chaque fois l'empereur. Allez, casse-toi, hein. Tu dégages du bureau. C'est bon, elle s'est cru où, celle-ci, hein. Donc ouais, on a quand même un peu l'après. Il y a Bubule encore. Oh là là, Bubule et ses interventions. Toujours les meilleures interventions ever, hein. Avec le casque, en plus, là, de Quantum. Et tiens, bah si, regarde là! Derrière, c'était une Lombax. Derrière Ratchet. Oh! Très intéressant ça. J'avoue que j'avais même peut-être pas tilté à l'époque, mais. Qui était ce personnage là qu'on n'a jamais vu auparavant? Ah si, c'était une Lombax, on aurait dit. Hein. En même temps, c'est bizarre, elle avait des cheveux. Mais je pense que c'était bel et bien une Lombax. Hein. Là, ça reconstruit du coup. C'était sa valise. On a le réparateur. Tu vois là même l'animation je trouve du coup sur les crédits là, c'est stylé hein. Oh là, le duo c'est bon. Il y a le duo Quantum Quark là. Bon après on n'a pas vu plus que ça finalement Quark hein. C'était au début et à la fin. Mais bon c'était plus la place à Quantum même si lui aussi il débarque du coup plutôt sur
la fin du jeu et pas avant. Hein. Mais peut-être du coup après, dans le futur, je vous proposerai potentiellement je sais plus si c'est vraiment un remake ou un remaster, c'est plutôt un remake hein, du premier Ratchet & Clank qui était sorti à l'époque sur PS4. Pourquoi pas? Bah de toute façon c'est le seul Ratchet & Clank que je pouvais vous proposer parce que les autres ils sont sur PS2 et PS3. À moins qu'ils sortent effectivement après en jeu old school avec le PlayStation Plus. Ah, sinon j'aurais pas l'occasion de les faire et de vous les proposer en let's play en vidéo. Donc le seul actuellement que je pourrais vous faire, ouais, c'est le remake PS4 que j'avais d'ailleurs hésité quand même à faire avant ce Rift Apart. Mais non, j'étais trop pressé de refaire Rift Apart donc j'ai pas pu attendre. J'ai clairement pas pu attendre. Mais ouais, pourquoi pas du coup dans le futur repartir. Ah, y'a les Volti! Ouais, parce que maintenant ils sont plusieurs, hein. Bon, lui c'est sûrement Volti et les autres, bah c'est. Les enfants, c'est la famille en tout cas de Volti. Magnifique ça! Exceptionnel! Donc on verra, voilà, si dans le futur on retourne sur cette magnifique licence. Qui mériterait encore plus, tu vois, d'être mis en avant, selon moi. Surtout que ce Rift Apart a quand même très très bien fonctionné, donc. Ils savent qu'il y a un potentiel, tu vois, derrière la licence. Et c'est limite dommage que ce soit pas tant que ça exploité. Parce qu'ils pourraient vraiment hein, l'exploiter davantage. Thank you for joining us on this interdimensional adventure. Est-ce qu'on a un petit plus ou est-ce vraiment la fin de la fin? Mais en vrai, je pense vraiment s'il y a une suite, il y aura Yvette. Hein. Je vois mal finalement se séparer de ce perso. Donc à mon avis, ouais, on devrait pouvoir la revoir hein, sur un prochain opus. Et voilà, du coup... Oh, j'avais oublié ça, attends. Non, il va pas nous faire un solo, là, l'Empereur Nefarious, un solo de chant. Si, il va le faire. Il va clairement le faire. Oh bordel, il y a une musique. Jure. Bon, pour parler quand même un peu du futur, je connais déjà le prochain let's play que je vais vous proposer. Une chose est sûre, c'est que ce sera très très différent de ce Rift Apart. J'ai pas envie de vous donner le nom du jeu, mais je vais quand même vous donner des indices. En vrai, avec ces indices, il y a peut-être moyen de déterminer quand même quel jeu ça va être, même si c'est pas facile. Mais déjà, oui, c'est un jeu ultra différent, je pense que c'est même l'opposé complet de ce Rift Apart. Sur une licence que j'ai déjà pu proposer plusieurs fois en plus sur la chaîne, ce qui réduit vachement les possibilités. Et ouais, c'est une très grande licence de jeux vidéo. C'est l'une des licences sur lesquelles j'ai commencé les jeux vidéo dans ma plus tendre enfance, donc vous pouvez deviner que c'est quand même une licence aussi qui date. Et c'est un jeu que du coup j'ai pu faire sur une autre console à l'époque plusieurs fois. Donc un jeu que je connais très bien. Mais je vais complètement le découvrir sous sa version, du coup, PlayStation 5, entre guillemets, c'est pas réellement le cas. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais là déjà, ça fait quand même beaucoup d'indices, une licence que j'ai déjà fait, une licence qui date. Et un jeu, du coup, qui est certes sur PS5, mais bon, qui date du coup d'il y a plus longtemps que ça. Et j'ai trop hâte du coup de faire ce jeu, donc ça va être un enchaînement de fou après ce Rift Apart. Donc je sais pas si ça vous fera plaisir, mais il y a un sacré potentiel je pense avec ce futur let's play, et ça permettra de partir quand même sur une aventure des plus différentes. En plus il y a un duo avec le Docteur Nefarious. Ça pourrait être une musique Disney, tu sais, quand l'antagoniste se met à chanter, c'est ça. Vu que j'ai fait pas mal de comparaisons, c'était plutôt avec Pixar niveau animation et tout. Cette fois-ci, ce sera avec Disney, du coup. Hein. On a la musique de l'antagoniste, donc ouais. Après, tu vois, ce serait bien quand même de peut-être partir sur un tout nouveau méchant pour le prochain. Là, je pense, vu que c'est vraiment un soft reboot ce Rift Apart, c'est-à-dire que bon, c'est la continuité des précédents. Mais t'as pas besoin, tu vois, d'avoir joué au jeu précédent pour comprendre l'histoire, pour même comprendre les persos, tout est très bien réintégré finalement. Donc t'as pas cette nécessité, oui, d'avoir joué aux précédents opus. Donc je pense que dans ce cadre-là de Soft Reboot, c'était nécessaire et indispensable d'utiliser finalement le méchant principal, qui est Nefarious. Et encore, on a eu la variante du coup avec l'Empereur, parce que c'est lui le vrai méchant, le Docteur Nefarious, lui est vraiment en second plan et c'est plutôt le comique
de la partie. Mais oui, pour moi, pour cet opus, c'était logique. Mais pour un prochain opus, je pense que ce serait bien d'avoir ouais, un nouveau méchant. On verra après, hein, mais là, je parle un peu du futur, et un futur qui n'est du coup pas forcément très très proche. Mais ouais, ce serait peut-être un peu mes espérances. Après, tu vois, bon, c'est comme limite un Bowser dans Super Mario. Bon, tu le retrouves quasiment sur tous les opus, hein. Parfois, certes, en second plan, mais bon, il est toujours présent. T'auras beau peut-être ne pas mettre du coup Nefarious en méchant principal, en vrai, tu peux toujours l'intégrer au jeu d'une manière ou d'une autre, hein. Donc après, faudra voir comment que c'est incorporé. Mais même moi, je me dis qu'ils le feront pas, tu vois, qu'ils remettront pas Nefarious pour une potentielle suite. Nouveau méchant, méchant d'un ancien opus, je saurais même pas trop dire qu'il y a. Bah, il y a Drake après qui traîne, mais bon, là, ils font la référence comme quoi, du coup, c'est devenu un mouton. Donc je sais pas s'ils peuvent le réintégrer, du coup, pour ça. À voir. Mais ouais, je pense que j'ai à peu près tout dit, que le bilan est fait, en tout cas vis-à-vis de ce let's play. Va-t-on du coup passer les crédits? Je sais pas si les crédits sont longs ou pas. C'est vrai que parfois quand même, surtout sur ce type de jeu, les crédits peuvent être très très longs. Donc attendre la fin, ça peut également être très très long. Bon, à la limite, on se retrouve du coup, parce que j'ai peur qu'en passant, ça va... Non, quoique ça devrait pas passer, je pense, une potentielle cinématique qui se trouverait derrière. Non, allez, on va passer. Alors, félicitations, tu as terminé l'histoire principale, tu as débloqué le mode défi. Conserve tes armes et recommence le jeu en difficulté maximale pour obtenir des améliorations d'armes et gagner plus de boulons grâce au multiplicateur de boulons. Ah, j'avais oublié ça, ok. Ouais, parce que ça, en plus, c'est même pas le New Game Plus, là, qui nous détaille, c'est un mode, du coup, à part entière, le mode défi. Mais j'avais complètement oublié que ça existait, à moins que ça ait été ajouté plus tard, ça. Crée du coup une nouvelle partie en mode défi à tout moment depuis le menu titre. Veux-tu revenir dans le temps avant l'affrontement final pour terminer les activités restantes ou revenir au menu titre? Oh, on va retourner je pense au menu titre hein, en toute simplicité vu que du côté de chez Urki on a vraiment absolument tout fait et du coup on peut l'officialiser, c'est bon. Le jeu on l'a bel et bien terminé à 100%. Alors oui, effectivement, dans le sens on va dire de la montée des armes à 100% niveau amélioration et tout, ça n'a pas été fait. Mais bon, comme je le disais auparavant dans je ne sais plus quel épisode, c'était peut-être le précédent, c'est en même temps impossible dans une partie en mode one shot de le faire, en tout cas quasi impossible ou même très très long, parce que du coup le seul moyen après de gagner du raritium en dehors du raritium qu'on récupère comme ça sur la map, et pour le coup moi j'ai tout récupéré sur toutes les planètes, c'est du coup en refaisant les derniers défis d'arène de chaque catégorie, donc bronze, argent et or, qui te donnent du raritium. Mais en ordre d'idée, j'avais vu ça du coup en off justement avant de commencer cet épisode, et je savais même pas en plus du coup qu'on pouvait gagner du raritium comme ça, mais tu gagnes seulement 6 raritium en faisant du coup le dernier défi or, qui dure quand même un petit temps, hein, vu qu'on l'avait fait justement la dernière fois. Et ça du coup, faudrait le refaire en boucle pour à chaque fois gagner 6 raritium, les empiler, sauf que là, des raritium, je sais pas combien il m'en manque pour améliorer absolument toutes mes armes niveau max, mais énormément. Sans compter aussi que là du coup, toutes mes armes sont même pas niveau 5, loin de là. Il y en a encore beaucoup qui étaient à level up, il y en a certaines que j'ai même pas utilisées. Donc oui, en fait, sans faire un New Game Plus, je vois pas comment tu peux améliorer tout ça, monter tout ça au niveau max. Donc pour moi, ouais, le 100% se limite vraiment, et c'est déjà très très bien d'ailleurs, à récupérer tous les éléments, que ce soit les infos robots, les orbes qu'on avait également sur Savali, les boulons, forcément les boulons en or, les armures également. Et une fois que t'as tout ça, et limite, allez, pour le petit plus, tu récupères également tous les raritium qui traînent sur chacune des planètes. Pour là, on peut dire quand même que c'est un 100% qui est accompli, vu que vraiment t'as absolument fait sur le jeu en termes de collectibles, tout est récupéré, donc oui, le 100% est bel et bien accompli. Surtout que tu vois, à l'époque, et ça c'est vis-à-vis du coup du trophée platine, le trophée platine je l'avais obtenu en finissant hein, ce Ratchet & Clank Rift Apart. J'avais peut-être un peu joué par la suite pour peut-être quelques trophées qui restaient, mais dans le cadre du trophée platine qui est souvent l'équivalent également du 100%, t'as pas besoin du coup d'améliorer toutes tes armes niveau max, hein, c'est pas du tout une nécessité. Donc tu vois, là, je pense, en faisant ce qu'on a fait durant ce let's play, on obtient dans la foulée le trophée platine si je l'avais pas du coup déjà. Donc non, le 100%, il est bel et bien fait, donc c'est une véritable réussite. Et ben, j'espère du coup, vraiment, que ce let's play sur Ratchet & Clank Rift Apart vous a plu. Merci en tout cas d'avoir visionné ce let's play du début jusqu'à la fin. Et oui, j'espère vraiment que ça vous a fait kiffer justement jusqu'au bout.
Likez, commentez et partagez. Si c'est le cas, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la meilleure manière de terminer cette aventure. En attendant, je vous dis donc, bye tout le monde. Oh yeah!